Brothers, sisters, peace be with you. Frères bien-aimés, la paix soit avec vous. Frères, action, moi, remets en pilio. C'est pour que poser Jésus avec nous. I'm going to give a short reflection in English on the scripture text of the third Sunday of Lent. Immediately afterwards, I will have this similar reflection briefly in French and then in Creole. Frères bien-aimés, prenez patience. Nous allons d'abord offrir une brève réflexion en anglais, ensuite en français et finalement en créole. Frères, ce moins pas découragé, non? Bral dit deux petits mots en anglais. Le fini, Marc dit deux mots en français. Par sauver, non? Parce que Bral gagne des réflexions tout en créole. We are today on the third Sunday of Lent. On March 7, 2021. In today's Gospel, Jesus is introduced with a whip of cord in his hands, forcefully driving out the vendors from the temple. This unusual behavior causes a stir, but actually, we are watching what is called a prophetic gesture. Jesus did not hit anybody. He simply brandished the whip, and the dramatic act is simply meant to teach us an important lesson. First, a temple is a sacred place where people encounter God. So turning a church into a marketplace is an insult to God's majesty, a practice that calls for a drastic reprimand. But beyond this, a lesson is being taught. We are learning that Jesus himself is a temple. This is where God resides. It's a new place of our encounter with God. So a few days before the arrest of Jesus and his condemnation, when his body is going to be mistreated, the fury of Jesus at this disrespect shown to the temple teaches the reverence to be given to his body and ultimately to the Eucharist, because Jesus dwells in the Eucharist, in the bread that he offers us to eat. So the great event of Easter is announced. The body of Jesus will be destroyed, but will rise again in 3 days. A new covenant is being instituted, and it is through communion with the body of Jesus that our meeting with God will be achieved. Therefore, we must approach the mystery of Jesus' presence in the Eucharist with extreme respect and reverence. The shocking behavior of the vendors in the temple cannot be replicated in the cult of the new covenant. We must approach communion with the body of Jesus with extreme reverence. And our bodies also become the temple of God, because when we receive communion, God dwells in us. So we must learn also to respect, to honor our bodies, which is sanctified through our communion with the new covenant. Many beautiful lessons are taught as we prepare for the great feast of Easter. Frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche du carême, le 7 mars 2021. Dans l'évangile du jour, nous voyons Jésus avec un fouet de corde. Jésus chasse brutalement les vendeurs du temple. Ils avaient fait de ce lieu saint une caverne de voleurs. Mais en la vérité, leur expulsion dramatique du temple n'est qu'un geste prophétique, c'est-à-dire un acte ayant pour but d'enseigner une leçon. Le temple
lieu de la rencontre entre l'homme et Dieu, ne peut donc pas être souillé par le comportement scandaleux de commerçants voleurs et avides de gains. Et Jésus est décrit comme étant brûlant de zèle pour la maison du Père. Mais d'autres leçons découlent de la scène. Jésus se présente comme le nouveau temple, le nouveau. Son corps est maintenant le lieu de la rencontre de Dieu et de l'homme. Et c'est en communiant à son corps dans l'Eucharistie que nous rencontrons Dieu. Quel respect indescriptible ne devons-nous pas vouer à l'Eucharistie, au temple de Dieu, à Jésus, le temple de Dieu, et à nous-mêmes qui devenons également temple de Dieu, car nous vivons en communion avec Jésus. Jésus attire donc l'attention sur l'événement de Pâques. Ce temple sera détruit, mais en 3 jours, je le relèverai. Là encore, Jésus faisait allusion à son corps, le temple qui sera détruit, mais qui sera relevé. Le corps de Jésus est saint. Nous sommes appelés à vivre en communion avec lui. Le carême a précisément pour but de nous purifier intérieurement afin d'entrer dans cette relation de communion avec la divinité. Grande est notre vocation. Attention, ne souillons pas le temple de Dieu. En communiant, nos corps aussi deviennent le temple de Dieu. Dieu réside en nous. Apprenons donc à honorer nos corps, à ne pas le souiller par nos comportements scandaleux, notre attachement au monde et par nos discours parfois irrévérencieux. Retenons les leçons que nous enseigne Jésus par ce geste prophétique. Frère Xemoyo, Jodia n'a fêté 3e dimanche carême et Jodia qui c'est 7 mars 2021. Monsieur la Bible n'a appelé Jodia, l'évangile là, a raconté comment Jésus prend une fouette corde pour rentrer dans le caille sacré, le temple Jérusalem là, pour mettre Mounio dehors, parce que Mounio est rentré dans le temple pour faire commerce et puis pour vendre. Pour yo, non pas pour yo respecter, honorer bon Dieu, mais pour yo régler les affaires. Jésus pas frappé personne, mais il prend fouette et puis il dit au sorti. Jésus voulait apprendre nous pour nous respecter l'Église, car il sacré côté nous fait pour nous honorer bon Dieu. C'est pas un côté pour faire commerce, pour dire bêtises, pour voler. En même temps, tout derrière ça, étant à préparer fête, Pâques, c'est pour nous songer que tant le Nouveau Testament qu'on y a, l'Église, c'est corps Christ. Christ lui-même, c'est l'en-Christ, bon Dieu résidé. Jésus, pour comparer corps à caille sacré à l'Église, il dit, nous pourrons craser caille ça, l'Église ça, dans 3 jours. Nous pourrons craser, mais dans 3 jours, nous rebâtir. Jésus vient nous rebâtir. Corps, moun, pral touyer, li pral relever, et c'est l'en Christ que nous pral rencontrer, bon Dieu. Donc, si déjà nous pas gagné respect pour kaye sacré, eh bien, peut-être que nous avons dérespecté tout corps Jésus, qui c'est comme bon Dieu. Et Jésus invité nous entrer en communion avec lui, qui fait que nous-mêmes, tout nous, c'est quoi, bon Dieu, résider dans nous, l'irriter dans nous, qui fait que nous faisons pour nous respecter quoi, tout le monde qui baptisait ou qui communiait ou qui a communion avec Jésus, et nous pas gain droit de respecter. Peut-être remet l'argent, nous pas gain droit voler, dire bêtises, de respecter comme monde, ni de respecter quoi, bon Dieu, dans la communion. Son gros leçon côté Jésus à pas prendre nous
que l'un nous rentrer l'église pour la prière, l'un a communion et puis l'un rapport une à l'autre qui gens nous pas doué disrespectant avec vieille parole, avec vieille idée dans tête nous, l'idée volée, l'idée jouissance, l'idée menti, fait chaque laide, chaque vicieux, parce que nous devons respecter corps Jésus et nous-mêmes nous sommes membres corps Jésus. Son leçon n'a pas prendre des gestes ça que nous relais, un geste prophétique, un geste qu'a pas prendre nous leçon, qu'a pas nous leçon pour nous apprendre, pour nous gagner en pile dévotion, en pile respect chaque fois dans l'église, chaque fois n'a rencontré Jésus, chaque fois nous un rapport avec bon Dieu. Et puis ça apprend nous pour respecter tête pas nous tout. Puisque le nous en communion avec Jésus, nous tournons tout, car côté bon Dieu, était. Donc nous, yon, nous devons respecter l'autre. Le sens, avant nous arriver dans fait partie, c'est pour nous apprendre, et c'est pour entrer dans la mœurs, nous, dans le genre nous agit. Le nous en rapport avec bon Dieu. C'est pour mon Dieu béni. Sa sainteté, l'univers.
ton gloire et puissance. Pensez louange à l'agneau. À l'agneau, à l'agneau.